Parler fintech maintenant. C'était super cette session avec Fabrice Grinda. C'est vraiment à chaque fois un plaisir de l'avoir et de pouvoir dialoguer avec lui. Alors, je vais appeler ici sur scène. Donc, on va commencer par Benoît Grossman de chez IDinvest, Philippe Gélis de Cantox, Agnès Gerbaud-Sauret donc de BNP Paribas et Sophie Heller de ING Direct. Donc voilà, et on va parler fintech, finance, disruption dans le monde de la banque, enfin tout ça, révolution numérique dans la banque, tous ces sujets passionnants dans ce secteur d'activité qui bouge pas mal. Ah, ça va? Parfait. Les fintechs, ça bouge pas mal aujourd'hui. Il y avait une étude d'Accenture qui montrait en fait qu'il y avait une dizaine, quinzaine de boîtes qui s'étaient créées dans les dernières années sur la place parisienne sur ce sujet, mais que probablement il y aurait une dizaine, quinzaine d'entreprises qui seraient financées dans les 2, 3 ans qui viennent sur la place parisienne. Donc en fait, c'est comme s'il y a eu vraiment une accélération là en ce moment. On a vu un tour récent avec différentes entreprises qui ont eu lieu, notamment je pense à Finexcap là, pour 25 millions d'euros récemment, des boîtes comme Paytop qui ont reçu aussi des financements importants ces derniers temps. On va parler de Cantox aussi qui est plus que française, qui est un peu internationale, européenne en tous les cas. Et on sent en fait que ça bouge et c'est pour ça que ce sujet nous intéressait. Bill Gates disait, on n'a pas besoin de banquiers, on a besoin de services bancaires, en fait. Hein, il disait, we don't need banks, we need banking. Et finalement, on a deux transformations qui vont nous intéresser ici dans cette table ronde. Vous êtes les bonnes personnes pour en parler. La première, c'est, est-ce qu'il y a une place pour des entreprises qui vont se mettre entre les banques et le client des banques? Que ce soit d'ailleurs des entreprises ou des consommateurs, vous choisirez en fait l'angle que vous voulez utiliser. Est-ce qu'il y a une place pour des entreprises qui finalement vont faire le métier des banques à la place des banques? Ça, c'est notre premier thème. Alors, on aimerait bien entendre Philippe sur ce sujet, puis bien sûr Benoît, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir ce point de vue sur tout ce qui est en train de se passer sur ces sujets. Et puis, un deuxième sujet, c'est est-ce que les banques vont être capables de prendre en main cette révolution numérique qui a lieu chez ses clients pour elles-mêmes offrir eh bien, une nouvelle expérience pour ses clients? Bon, j'ai un peu la réponse dans la question, mais c'est intéressant de voir comment tout ça se passe. Sur le plan en fait des disruptions qui ont lieu dans la banque, si Bill Gates avait raison quelque part, s'il avait raison à cette époque, il l'a dit il y a à peu près 15 ans. Hein, donc depuis, il ne savait pas qu'il allait avoir des choses comme les crypto-monnaies, il ne savait pas qu'il allait avoir des choses comme les paiements mobiles, il ne savait pas qu'il allait avoir quelque chose comme par exemple les places de marché de monnaie, de currencies. Il ne savait pas en fait qu'il allait avoir des systèmes de crowd equity. Il ne savait pas qu'il allait avoir des systèmes de crowd lending. On en a parlé ce matin, notamment avec Prêt d'Union, 100 millions qui ont été financés déjà de prêts entre particuliers à travers ce type de plateforme qui, quelque part, remplace votre métier à vous, mesdames, puisque aujourd'hui, ce sont des dames qui représentent les banques, n'est-ce pas? Et c'est à ça qui est en train de se passer. Alors, on va peut-être commencer par cette première partie concernant. Est-ce que réellement il y a une place pour de nouveaux acteurs dans cette industrie, qui est l'industrie la plus régulée au monde? Il n'y a pas d'industrie qui est plus. Les règles de fonctionnement d'une banque, en gros, c'est la loi, hein, pour faire court. C'est l'industrie la plus régulée au monde. Est-ce que dans le même temps, il y a de la place pour disrupter et offrir de nouveaux services lorsqu'on est une start-up? On commence peut-être par Philippe et puis ensuite Benoît sur la même question. Je crois que l'actualité l'a déjà démontré. Donc la question de s'il y a de la place, je crois qu'on a la réponse, et c'est oui. Je crois que depuis 2-3 ans, on vit la première vague fintech. Et la première vague, c'est un peu ce que tu disais, c'est des startups, des boîtes tech qui créent une sorte de pont entre la banque et l'utilisateur, simplement parce qu'elles arrivent à créer une meilleure expérience, des produits plus lean, donc plus compétitifs. Dans certains cas, il y a même un petit peu, je dirais, de gamification. Aujourd'hui, il y a une bonne anecdote. Il y a une boîte de crowdfunding au UK qui a proposé d'aider l'équipe de Formule 1 Caterham, qui était en grande difficulté, de crowdfunder le dernier Grand Prix de l'année. Ils n'avaient pas l'argent pour y aller. Donc, ils ont lancé une campagne à 2 millions de pounds pour pouvoir envoyer une voiture à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix.
on a participé. Donc on est sponsor Cantox de KTM F1 ce week-end pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Et ça nous, c'est en train de nous faire une pub assez monstrueuse. Donc c'est un bel exemple de service qui n'existait pas du tout et qui aujourd'hui crée, crée un pont entre le cercueil américain traditionnel et l'utilisateur. Ce que je crois aussi, c'est que c'est vraiment que la première étape, dans le sens où toutes les boîtes de fintech, au final, elles ont aussi besoin de services bancaires. Donc, nous, on a une place de marché où on échange des devises entre entreprises. Donc, on est plus lean, on a un produit online avec une meilleure expérience. Mais au final, on a quand même des comptes bancaires qu'on utilise pour échanger les devises. Et au final, on a une banque derrière et c'est indispensable. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est compétiteur, c'est-à-dire qu'on est en concurrence, mais on leur amène aussi du business. Donc c'est une situation un peu spéciale. Mais je pense qu'il y a la deuxième vague qui arrivera d'ici 2-3 ans, quand les premières fintech, en tout cas celles qui auront eu du succès, auront permis aux entrepreneurs de gagner en crédibilité et d'avoir des fonds. Et je pense que la seconde étape, c'est le lancement de banques fintech, c'est-à-dire depuis from scratch, depuis zéro. Et quand je dis banque fintech, c'est licence bancaire, tous les services bancaires, mais vraiment online, basés sur API, connectivité. Et là, on sera plus dans la concurrence. Aujourd'hui, on ne l'est pas vraiment. Aujourd'hui, combien de temps? C'est 1, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Ça va venir. Peut-être que Benoît pourra mieux répondre que moi, mais je pense qu'il faudra que la première vague ait été déjà un succès, qu'il y ait donc quelques entrepreneurs successful avec des fonds et surtout de la crédibilité pour se lancer. Donc, je dis 2-3 ans, peut-être que ce sera avant, peut-être que ce sera plus tard. Peut-être les Circle qui vient d'être financé récemment, les Coinbase, ces gens-là, ils disent on va plutôt être des banques à la place des banques. Un mot sur Cantox avant de passer la parole à Benoît. Combien de chiffres d'affaires, combien de people, c'est quoi un peu le juste pour les gens qui sont dans la salle, qui ne connaissent pas forcément Cantox? On ne parle pas trop du chiffre d'affaires, parce que Benoît ne va pas être content sinon. D'accord. Dis-nous ce que tu peux nous dire. Moi, je suis là pour poser les questions. Je peux dire beaucoup de choses. On est focus 100% sur les entreprises. Oui. On a plus de 800 clients corporate en Europe aujourd'hui. D'accord. Beaucoup en France. On va bientôt atteindre notre premier milliard de volume d'affaires sur la plateforme. On est une cinquantaine de personnes, avec une croissance à 3 chiffres, évidemment. Donc, je dirais que... Aujourd'hui, on est dans une phase de consolidation en Europe, puisqu'au final, le marché est hyper, hyper grand, ne serait-ce qu'en Europe. On nous demande toujours quand est-ce que vous partez aux États-Unis. On leur dit toujours, il y a un marché hyper gros ici, on veut se consolider, on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'expérience utilisateur est bonne parce que le client qui nous utilise, il reste. Et je crois que c'est le plus important, surtout à court terme. Des bureaux, où c'est que sont tes bureaux? C'est juste pour souligner que je crois que c'est un... Headquarter à Londres. À Londres, là, et en Espagne aussi, je crois. Back office à Barcelone et investisseur en France. D'accord. Donc on est sur l'axe. Mais de l'emploi en France, il n'y en a pas, visiblement. Avec ce bel accent toulousain, il n'y a personne à Toulouse, on dirait. Et les conseils d'administration sont à Barcelone. Benoît nous a obligés à les faire à Barcelone. Ok. Alors Benoît, justement, sur cette situation là des fintech en France... je disais là sur l'environnement Bitcoin que je connais bien, tu sais, et sur lequel on a vu en 2014 400 millions de dollars d'investissement dans les différentes entreprises fintech Bitcoin. C'est juste sur le Bitcoin. Si on faisait le total également sur le crowd equity, on obtiendrait pratiquement le même chiffre, je pense. Donc il y a vraiment de l'argent qui arrive en masse sur ces sujets. On a l'impression d'être, alors peut-être je me trompe, mais on a l'impression d'être un peu à contre-courant ici sur cette place parisienne et que finalement il ne se passe pas tant de choses ici à Paris sur ces sujets fintech. Je me trompe? Pas forcément, il faut savoir que ce sont des évolutions assez lentes. Alors moi je vais me contenter de dire des la palissade, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les fintech. C'est un marché qui est en train de se disrupter, ça met un petit peu de temps, c'est pour ça que ça vient seulement maintenant parce que maintenant... toutes les technologies internet digitales sont très, très matures et voilà, ça permet d'adresser le monde très fermé de la finance. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est un métier qui est très régulé. La beauté du modèle, c'est dès qu'on a les agréments, je pense à Philippe avec Cantox, dès qu'on a les agréments, c'est une barrière à l'entrée vis-à-vis des autres. Hein. C'est un peu comme toujours. On veut toujours que, avant d'entrer, on veut que les barrières soient basses. Une fois qu'on est de l'autre côté, on veut que les barrières soient très hautes pour éviter que d'autres entreprises rentrent dans le secteur, et c'est un secteur qui est en pleine maturation. Il y a beaucoup de choses à faire dans tout ce qui est crowdfunding, crowdlending. Enfin, j'étais pas là ce matin, enfin, nous on a investi dans des plateformes de crowdfunding, c'est en train de prendre, ça mettra un petit peu de temps de venir, mais ça prendra, c'est quelque chose pour moi qui est irréversible, et tout le monde a intégré ça. Je pense que dans les banques c'est complètement intégré, et on a de belles années devant nous, et ça c'est...
Justement, alors on va poser la question à ces dames. On va commencer peut-être par vous, Sophie. C'est juste sur ces sujets de disruption, donc ces nouveaux acteurs qui apparaissent. Philippe va jusqu'à dire qu'ils vont peut-être remplacer les banques pour certains. En tous les cas, ils ont cette ambition. Vous le vivez comment dans vos banques? En fait, chez ING, par exemple, quand vous avez un comité de direction, vous parlez de ces sujets, c'est quoi la thématique? Ça existe, ça n'existe pas? On regarde, on... Mais je pense d'abord qu'effectivement, ce qui permet la disruption, c'est, comme vous l'avez dit, soit effectivement une mauvaise expérience client, donc il y a possibilité de faire quelque chose de plus, soit effectivement des marges trop élevées ou des prix exagérés. Et donc, du coup, il y a une possibilité de pouvoir s'immerger dans la valeur ajoutée. Donc, je dirais d'abord que chez nous, chez ING, on a été les premiers à se disrupter nous-mêmes, puisque ING, en fait, il y a déjà presque plus de 15 ans, a créé, en fait, partout où il n'était pas, avec un business traditionnel, une banque directe qui était basée sur une meilleure expérience, beaucoup plus digitale et avec des prix extrêmement compétitifs par rapport au marché. Donc l'attitude par rapport à des disruptions, elle est intégrée dans le groupe. Je pense que c'est donc soit effectivement sur les business existants en les faisant moins chers avec une meilleure expérience, et ça c'est quelque chose qui se continue. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, si on analyse véritablement les besoins du client, aujourd'hui il y a encore plein de besoins qui ne sont pas satisfaits en termes de comment je pilote mieux mon argent, comment je prends des meilleures décisions moi-même, et souvent le client est laissé à lui-même. Donc autour de l'utilisation de la donnée au service du client, il y a énormément de choses à faire, donc on ne va pas rentrer dans les détails puisque ce serait évidemment confidentiel, mais évidemment on travaille, comme je pense pas mal de banques, sur ce sujet. Et après, il y a aussi ce qu'on peut faire en élargissant finalement le SPOC bancaire. Donc là, je pense juste à deux exemples de ce que ING a pu faire en Europe. Par exemple, lancement de places de marché en Pologne, où en fait, pour les PME, il y avait véritablement la place de créer une place de marché. Donc comment on crée une place de marché en tant que bancaire, donc en portant aussi une caution finalement, pouvoir apporter finalement une valeur ajoutée que ne peut pas apporter une place bancaire avec la connaissance qu'on peut avoir des acheteurs et des vendeurs. Donc ça, c'est un exemple. Ou en Allemagne, des comparateurs de crédit immobilier, par exemple, ou des courtiers qui réinventent le marché. Donc voilà, donc je pense que pour répondre à la question, en tout cas, c'est parfaitement intégré et on essaie déjà de le faire nous-mêmes, puisqu'on pense que si on se disrupte nous-mêmes très bien, c'est une façon de se défendre contre d'autres disrupteurs. D'accord, voilà. Donc la solution, c'est de le faire avant que d'autres se le faire soi-même. Donc c'est un peu ce qu'on a vu sur les startups qui se mettaient la pression avec les clients. Finalement, c'est vrai dans les grands groupes. C'est vrai probablement aussi chez BNP. Alors pareil, même question, quand vous voyez arriver des choses comme le crowd equity, comme les crypto-monnaies, comme les paiements mobiles, tous ces sujets, vous l'anticipez comment et c'est quoi finalement les modes de fonctionnement que vous avez autour de l'innovation, parce que c'est la thématique de la journée, pour voir ces disruptants arriver, peut-être les anticiper. Je vous propose de dire deux mots peut-être sur BNP Paribas Personal Finance. Avec plaisir. Voilà. Nous sommes à peu près 20 000 collaborateurs présents dans une trentaine de pays et nous avons plus de 21 millions de clients. Depuis 60 ans, donc pour ça je fais un peu la distinction entre ce qui se passe en ce moment, mais comme quoi aujourd'hui on a su aussi se disrupter. Depuis 60 ans, notre rôle et notre ADN, c'est d'accompagner nos partenaires, partenaires bancaires, partenaires distributeurs, partenaires e-commerce, partenaires automobiles, pour qu'ils puissent offrir à leurs clients des solutions de paiement et de financement dans les parcours d'achat. Donc il s'agit d'intégrer les parcours d'achat. Et pour ça, il faut suivre l'évolution des usages, travailler éventuellement avec des startups ou se disrupter nous-mêmes, c'est-à-dire de remettre complètement en question la façon dont nous intégrons ces parcours d'achat, puisqu'on voit aujourd'hui, on a vu tout à l'heure, je crois, que 60% des clients, avant d'acheter un électroménager, faisaient sa recherche en ligne. C'est 90 à 94% pour les voitures. Voilà, on ne cherche pas toujours une marque précise, on cherche un véhicule d'occasion, pas d'occasion. Donc il y a vraiment un parcours de décision et un processus de décision qui évolue complètement à travers le mobile, etc. Et donc notre rôle, c'est vraiment d'intégrer ces usages et de proposer ces solutions très en amont en partenariat avec nos accords distributeurs, e-commerce et automobiles. Parallèlement à ça, et peut-être sous une marque plus connue qui est CTLM, nous offrons à nos clients du crédit au particulier, de l'assurance et de l'épargne plus récemment, dans une vingtaine de pays, au travers de nos propres marques. Et là, on agit quasiment comme un site e-commerce, puisqu'on a les mêmes problématiques si on regarde la génération de trafic, la conversion, l'évolution des usages sur le mobile. On a parlé tout à l'heure de relations clients et en quoi ça change notre façon de faire du marketing, de la communication. Et ça nous transforme fondamentalement en interne, aussi bien notre façon de travailler d'ailleurs avec l'IT. Donc il y a une remise en question constante, une optimisation continue, notamment de l'expérience utilisateur,
Et on a, je suis complètement d'accord, encore énormément de choses à faire. Quand on voit aujourd'hui les objets connectés, la façon dont ils sont, voilà tous les exemples qui ont pu d'ailleurs être un petit peu parcourus aujourd'hui. Aujourd'hui, non seulement on l'intègre, mais en plus on est acteur. Voilà, on n'est pas en train de regarder les choses passer. Et ça remet, pour des acteurs qui existent depuis plusieurs années, et ça a déjà été le cas, ça remet en cause notre façon de travailler. Et juste pour donner un exemple, le digital est arrivé chez nous dans les années 90, alors qu'à l'époque, on avait le Minitel, on était très précurseurs, et puis très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait proposer de l'octroi en ligne, proposer du temps réel, être en capacité de proposer un parcours dématérialisé de bout en bout. Et aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'Italie, parce qu'on est très international, quand on achète un produit en ligne ou sur son mobile, on aime bien savoir quand est-ce qu'on va être livré. Donc sur notre domaine d'activité, on agit de la même façon et aujourd'hui vous pouvez souscrire à un crédit de manière totalement dématérialisée, regarder quand est-ce que vous allez avoir les fonds livrés, changer vos mensualités, changer la durée et finalement avoir un parcours pour lequel tout est à la main du client. Et le digital nous amène ça, et comme je disais, voilà, avec la donnée, cette capacité d'optimiser. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a une mise en opposition si forte, c'est vrai qu'il y a des modèles très disruptifs. Qui parfois restent sur des niches, parfois et répondent d'ailleurs à des besoins, parce qu'on voit bien, tu me parles de Bitcoin, aujourd'hui dans certains pays où les clients sont moins bancarisés, Bitcoin est très présent, donc c'est vrai qu'on voit aussi que ça répond à des problèmes auxquels aujourd'hui on est peut-être moins positionné, on a moins vocation à y être. Il y a un peu les deux. Voilà. Non, merci, c'est intéressant. Je vais essayer de revenir en fait sur le sujet de la banque, déjà de retail, juste pour qu'on arrive à, en fait, parce que quand on dit banque, effectivement, ce sont beaucoup de métiers différents. Et si on revient en fait à la banque retail vers en fait des consommateurs, si on revient sur ces métiers-là, grosso modo, on va trouver un métier qui est le dépôt et la gestion en fait de ce dépôt, le crédit, l'épargne. Ça, c'est les sujets de base en fait concernant la banque de retail. Est-ce que vous pensez, indépendamment du travail, du beau travail que fait BNP, ING Direct sur ces sujets, qu'il y a de la place demain pour un acteur qui ne soit pas issu de cet environnement bancaire, c'est-à-dire un vrai disrupteur, quelqu'un qui, comme Uber s'est créé dans un environnement, qui arrive dans cet environnement en disant ben, « moi je vais jouer le rôle de taxi, mais je n'étais pas une compagnie de taxi auparavant, je viens proposer une offre nouvelle ». Indépendamment du bon boulot que vous faites, qui va être notre deuxième thématique, parce qu'on est très intéressé de savoir comment tout ça évolue. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez ou tout simplement vous dites non, no way, ça n'existera jamais? C'est presque un avis presque perso. Ça existe déjà. Ça n'engage. Ça n'engage. Ça existe déjà. Après la question de dire est-ce que effectivement ça va être un espèce de raz-de-marée comme on l'a eu dans la musique par exemple où ça a complètement tout balayé. Ouais, c'est pas tout à fait encore. Mais par contre, ouais. Effectivement, il y a des niches, il y a des produits, il y a des segments de clientèle, il y a des cas d'usage aussi qui peuvent être très particuliers. Donc des petits services, pas forcément un service commun. Donc moi, je le vois plus comme quelque chose qui va coexister et par contre qui va forcer l'industrie bancaire à se réinventer. Ça va forcément avoir une pression négative sur les marges puisque ça va créer plus de concurrence. Donc ça va rendre plus difficile le travail des banquiers et, ça, et en même temps, on va dire, ça met du piment. Mais je ne crois pas à une disruption totale, je pense à une complémentarité en fonction des cibles, des produits, mais qui va forcer l'industrie bancaire à bouger. Benoît, un acteur qui sort out of the blue et qui vient et qui dit « je suis la banque du monsieur tout le monde ». Ça ne prendra jamais 100% des parts de marché, mais je prends l'exemple Mais Uber ne prend pas toutes les parts de marché. Mais en prenant juste l'exemple de la musique, aujourd'hui en streaming, c'est pas grand-chose encore, donc ça prendra... Et ça a commencé il y a, ma foi, fort longtemps, donc dans les banques, ça prendra beaucoup de temps. Et je réitère par rapport à tout ce qui est plateforme de taux de change, l'idée qui est faite, et aujourd'hui, Quantox, avec tout le respect que je te dois, on a les miettes, il se trouve que ce sont des grosses miettes, ce sont des miettes énormes, donc on n'a pas besoin de prendre 50% des parts de marché pour exister, on a quelques millièmes de... Exactement, c'est... Je suis d'accord que je ne crois pas non plus qu'il y aura une disruption totale et très agressive déjà parce que comme on le disait avant, c'est un secteur qui est très régulé et c'est plutôt bien parce qu'au final ça évite aussi que n'importe qui vienne créer des services financiers et fasse n'importe quoi. Bien sûr. Donc ça évite de aussi sens. Une disruption totale et rapide dans le sens où on ne peut pas du jour au lendemain être une banque fintech globale tout simplement parce qu'il faut être régulé dans tous les pays où toutes les zones on est. Mais c'est sûr qu'il va y avoir énormément de changements. Moi, ce que je dis toujours, c'est que je crois que la grosse problématique actuelle au niveau retail, en tout cas pour les banques, c'est qu'ils doivent passer, ING c'est un cas un peu différent,
mais ils doivent passer d'un modèle basé sur l'agence à un modèle où je pense que d'ici 20 ou 30 ans, on va dire, quand tous les gens, avec tout le respect que j'ai, de plus de 50 ou 60 ans seront plus là, il n'y aura plus personne qui voudra aller à l'agence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui voient l'agence, c'est ceux qui ont vécu avec l'agence. Personnellement, je n'ai jamais mis les pieds d'une agence dans les trois dernières années. Bon, je suis client ING, ils ont une bonne interface online, donc ça aide aussi. Non, mais il faut le dire. Je pense que donc, ça va être très, très douloureux pour le secteur bancaire de, entre guillemets, se défaire de 95% de ces agences. Et à l'heure actuelle, je pense que le problème qu'ils ont, c'est que si on se défait du réseau d'agences, il faut quand même interagir avec le client. Et l'interaction client, c'est quelque chose que généralement, ils ne savent pas faire bien. Et c'est pour ça qu'il y a des startups qui se développent. On a un exemple en Espagne assez bon de la banque BBVA, qui a racheté Simple aux États-Unis, ouais, et qui est au final une interface utilisateur sympa. Ouais. Et ils ont payé 100 millions pour une interface utilisateur sympa. Je ne sais pas si ça faisait du sens ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'au final, ils achètent ce qu'ils ne savent pas faire. Et c'est probablement intelligent. BBVA étant probablement la seule banque au monde qui est dirigée par un chairman qui était au départ un tech. Et il est rentré chez BBVA il y a des années comme tech. Donc je pense que c'est quelque chose de très inhabituel. Mais le fait est que donc aujourd'hui, il essaie de véhiculer une philosophie très fintech, innovation à tout le monde dans la banque. Excellent, ouais. Pourquoi il n'y a pas de Cantox à Paris? Je pense qu'en termes de fintech, si Londres est leader, c'est aussi parce qu'ils ont créé l'environnement en termes de régulation, oui, qui facilite tout ça. Je dirais que c'est vraiment le pôle européen, tout simplement parce que c'est le pays où la fintech, ou qui est le plus, disons, fintech friendly. Et je pense que c'est dommage, parce que ça va renforcer à terme la force de Londres dans le secteur financier, alors qu'il pourrait y avoir de la fintech aussi pointue en France, en Allemagne, en Espagne. Et au final, Londres attire un peu le pôle fintech parce qu'ils sont friendly en termes de régulation. Mmh. Et c'est dommage. Je pense que la France devrait réagir vite, être beaucoup plus friendly. Mmh. C'est l'avis de l'investisseur aussi, Idinvest, qui est un des top investisseurs européens. Lorsque vous voyez en fait un dossier qui arrive... Vous n'avez pas de religion sur l'endroit où il s'exerce? Non. Mais je crois qu'il faut toujours exercer dans le pays en adéquation avec son industrie. La finance, c'est Londres, c'est comme Londres. Ça. La mode, c'est Paris, Milan, New York, Singapour, c'est comme ça. Je crois qu'il ne faut jamais aller à contre-courant. Et je crois que le choix qui a été fait avec Quantox d'incorporer la société à Londres pour être agréé par le Financial Service Authority, ça n'a pas été par hasard. Non, pas du tout. C'est un choix qu'a fait la France alors d'abandonner la place financière. Non, pas forcément, mais je crois que le choix qui a été fait par Quantox, c'est de s'incorporer à Londres, parce que quand tu es dans le domaine de l'écosystème est à Londres. C'est plus clair d'avoir une carte de visite à Londres qu'à Paris, c'est comme ça, c'est insupportable, mais c'est comme ça. Non, mais c'était une question plus politique, qui était de savoir si à un moment donné, la France n'a pas décidé finalement de perdre la place financière. Non, je pense pas. Londres est la capitale financière du monde, c'est comme depuis 200 ans, ça sera encore pendant de nombreuses années, on va pas lutter contre ça, au même titre que la Silicon Valley, c'est la Silicon Valley, que le Nasdaq, c'est le Nasdaq, on peut dire ce qu'on veut, qu'on a des beaux ingénieurs en France, le Nasdaq et la Silicon Valley sera toujours comme ça, ça va pas changer de main, il faut faire avec. On essaie de réduire le gap, mais il y aura toujours un gap, c'est comme ça. Et la place en données, c'est la place de finance mondiale, c'est comme ça, c'est insupportable des fois, c'est comme ça. Donc, chez Idinvest, vous êtes dans quelques très belles entreprises fintech. C'est quoi le raisonnement en fait autour des fintech, justement de cette capacité de disruption? Est-ce que c'est un raisonnement dans lequel vous dites, tiens, il faudrait qu'on fasse plus de deals fintech, ou finalement, au fil de l'eau, en fonction du deal flow, vous dites, tiens, c'est du fintech, ça nous intéresse aussi, on regarde. Non, nous, on a une approche, alors il ne faut pas le répéter, une approche un peu opportuniste. Il ne faut jamais dire à des investisseurs qu'on a une approche opportuniste, que ça fait les personnes qui n'ont pas de stratégie. Nous, quand on investit dans une start-up, c'est toujours la rencontre entre un secteur d'investissement qui nous intéresse et la rencontre avec un entrepreneur qui a un projet qui est dans un secteur qui nous intéresse. Voilà, quand on a investi dans Quantox l'année dernière, on ne s'est pas dit en 2013 on va faire un dossier dans la fintech, dans tout ce qui est Forex, parce que si on a cette approche-là au niveau européen, on fait un deal tous les 25 ans. Donc c'est plutôt la rencontre, voilà. Philippe, on l'a rencontré l'année dernière, on l'aurait peut-être rencontré il y a 2 ans, on l'a rencontré il y a 3 ans, on aurait décalé, et on n'a pas d'allocation très spécifique en disant qu'on va faire 10% dans la fintech. Nous, c'est toujours la rencontre entre un projet qui nous intéresse, une industrie qui nous intéresse, et un entrepreneur avant tout, on investit avant tout sur une équipe, une fois de plus, ce sont des lapalissades, hein. Quand ce sont des structures avec peu de personnes, c'est l'équipe de management qui fait 90% du projet. Donc voilà, c'est le choix qui est fait. Aux États-Unis, on peut avoir une approche différente quand on investit. On peut
le marché est tellement liquide, tellement plus profond qu'on peut se dire, OK, on va investir dans, vous seriez dans la Silicon Valley, vous diriez, OK, on va investir dans la fintech, dans les startups qui évoluent dans le domaine du Forex. Vous regardez les 18 sociétés de la Silicon Valley qui lèvent de l'argent dans ce domaine-là à l'instant T. Vous voyez 18, vous en avez 10 et vous en faites devenir 5, vous pitchez très fort pour deux et vous investissez dans la meilleure. Si on a cette approche-là en Europe et en France, on fait un deal tous les 25 ans. Ouais, voilà, donc c'est comme ça. Et ce sera toujours comme ça. On peut se lamenter, ce sera toujours comme ça. Ouais, ça a du sens. C'est très bien. Hein. Il faut quand même investir. Donc, l'autre approche, ça a du sens. Ouais. Mais pour investir, c'est trouver les entrepreneurs. Bien sûr. On n'a pas de vocation à investir 15% en fintech. Bien sûr. Très bien. Intéressant. J'aimerais qu'on passe à la deuxième partie un peu du sujet. C'est que si le secteur bancaire regarde ces disruptions, on vient d'en parler, et vous les observez, et elles vous servent aussi peut-être justement de sorte de catalyseur pour accélérer votre propre innovation. Il y a aussi tout un travail que vous devez faire à la fois en interne et aussi chez vos clients pour faire adopter et puis tous ces nouveaux usages. Et on perçoit souvent la banque, peut-être à tort, mais comment étant une industrie assez feutrée, basée aussi sur une forme de travail assez traditionnel, et c'est plus le cas. Visiblement, vous devez avancer très très vite parce que vos clients avancent aussi très vite. Et vous êtes toutes les deux un petit peu le fer de lance dans chacune de vos entreprises pour faire que cette révolution digitale, elle ait lieu. Alors, qu'est-ce que vous faites le matin quand vous arrivez au bureau pour faire que cette révolution digitale soit la plus efficace possible, et je sais qu'elle l'est, mais c'est quoi en fait on commence par vous peut-être, Sophie? Oui, je pense qu'on est dans une situation effectivement assez différente puisque nous on est déjà la banque digitale, donc on n'a pas d'agence, on est déjà un mode digital nativement et on est une structure qui est quand même beaucoup plus petite, donc on a un comité de direction, on a 500 personnes et en fait on a une autonomie aussi totale en France, donc la capacité d'évolution est quand même beaucoup facilitée par la taille et le fait qu'on a 15 ans. Pour nous, donc, l'enjeu n'est pas effectivement digital, puisqu'on est déjà digitaux depuis le début. C'est plutôt comment effectivement on s'assure d'être mobile first systématiquement dans tout ce qu'on fait, et surtout comment on prend en compte les besoins auxquels aujourd'hui on ne répond pas, mais qui sont des vrais besoins clients. Donc on travaille énormément, plus que la façon de travailler par rapport au digital, c'est plus la façon de concevoir nos services et de faire évoluer nos services. Donc peut-être deux exemples. Un, c'est déjà la co-construction avec les clients. Donc, on est une des premières banques en France à avoir lancé le Web Café, c'est-à-dire une plateforme collaborative avec nos clients sur notre site qui permet à la fois des échanges entre les prospects et les clients et autour du laboratoire d'avoir des suggestions de nos clients auxquelles on répond, qu'on priorise et qu'on développe. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le changement de méthode de travail. Donc, on est passé à l'Agile, au Scrum et au Lean Startup. Donc, en fait, chaque nouvelle initiative dont tout le monde a été formé, que ce soit du côté business ou du côté informatique. Donc, on a fait complètement exploser les structures. Donc, maintenant, on fonctionne avec des équipes pluridisciplinaires de 4 personnes qui sont empowerées pour prendre des décisions. Et on va vraiment cueillir le besoin du client. Donc, on ne fait plus d'hypothèses en disant le client veut ceci, mais on va parler avec les clients. Donc, ce qui suppose une vraie... Enfin, moi, je viens du monde du start-up parce que je ne suis pas du tout un profil bancaire traditionnel. J'ai fait 4 start-up avant d'arriver chez ING. Donc, ça m'est assez naturel. Mais effectivement, c'est un vrai changement même pour chez nous de dire on se repose pas sur des focus group ou sur des études, mais on a 2 cafés. Donc, on va discuter avec les gens. On se pose à une table et on leur dit... où on va chez eux et on dit la gestion de vos comptes, expliquez-moi, vous faites ça comment? Alors les gens sortent leurs fichiers, ils disent voilà, ah bon, et ça se passe comment? Vous le vivez comment? Et on part vraiment du besoin client pour ensuite valider ses besoins. À partir du moment où on a validé ses besoins, on travaille sur des solutions qu'ensuite on va tester avec les clients de manière itérative. Intéressant. Donc c'est vraiment ça en fait le changement, plus que le digital. Le digital est un moyen, mais l'obsession c'est vraiment de coller aux besoins clients. On conclut juste sur la si vous pouvez faire le même éclairage en fait sur ce sujet avec deux exemples et on va conclure là avant d'appeler nos amis de la table ronde de luxe qui vont venir nous rejoindre. S'ils sont dans la salle, vous êtes là, bravo. Donc deux exemples assez rapidement. On n'est pas des digital natives, mais comme je disais, le digital s'est imposé à nous des années 90. Donc là, la courbe d'apprentissage, elle est quand même assez importante et on est encore là aujourd'hui et dans certains pays, on a plus de 60-65% de nouveaux clients qui viennent du digital. Donc c'est quelque chose qui est en croissance et on apprend beaucoup aussi en travaillant avec des e-commerçants. Pour donner juste deux exemples sur la façon dont on se transforme en interne, une initiative consistait à construire un programme international de formation parce que la formation accompagne la transformation de l'entreprise.
au-delà du mode agile, etc. Et donc, il fallait qu'on puisse parler du même langage, parler d'une espèce de croyance à une connaissance, voire à de l'expertise. Et cette formation, maintenant qui est lancée depuis 2 ans, nous a permis de former plus de 300 collaborateurs sur des formats de 16 personnes. D'abord des experts, il y a eu une formation de 5 mois, avec du présentiel, du business case, une présentation devant les membres du comité exécutif, parce qu'on a un très fort soutien de notre direction générale, et c'est très important. Et donc, et puis d'autres formats pour les personnes dont le quotidien n'est peut-être pas de travailler à 100% sur le digital, mais qui est forcément très impacté par le digital, que ce soit en termes de transformation des processus internes, les digitaliser, pas uniquement travailler sur l'expérience utilisateur, mais également en interne, transformer les opérations. On a des sujets de conformité, donc c'est vraiment toute cette population qui fait partie du programme, et on n'en est qu'au début. Et c'est un vrai catalyseur de transformation interne. Ensuite, nous avons, alors vous avez parlé de communauté, on a aussi une communauté client, on ne l'a pas mis sur notre site, on a pas mal testé, vous avez des sites comme jegermesformement.com qui existent, et nous avons une communauté où nous avons interrogé les clients, et ce qui était très intéressant, c'est de découvrir finalement que au-delà des idées qu'ils peuvent nous apporter, on a aussi ce qu'on appelle le customer advocacy, les clients qui, à partir du moment où ils ont une expérience digitale avec nous, ils sont finalement ceux qui en parlent le mieux et mieux que nous. Et enfin, et ça c'est une des clés aussi de la transformation, c'est cette capacité d'innover dans un pays et ensuite de l'exporter rapidement dans les autres quand ça fonctionne, en l'adaptant en local. Et aujourd'hui, si vous regardez en Pologne, nous avons lancé la première solution de financement en ligne qui aide nos clients à réaliser leurs projets. Et cette solution est 100% dématérialisée, elle est temps réel. Nous avons la signature électronique qui a été lancée en Italie, nous avons la dématérialisation de l'Espagne, nous avons une expérience utilisateur qui vient également d'un autre pays. Et c'est cette capacité de pouvoir finalement prendre les bonnes pratiques et de continuellement progresser et partager ces pratiques très concrètement dans les différentes géographies où nous sommes. Voilà, en 2 minutes. Excellent. Est-ce que vous m'avez donné 2 minutes ? C'est un bon résumé, bravo, quel talent. C'est la synthèse, c'est une qualité importante. On applaudit donc Philippe, Benoît, Agnès, Sophie. Vous restez.